excusez-moi. Je pensais que c'était Marc. Bonne soirée à vous. Ma reine. C'est parce que j'ai des petits, merci, j'ai des petits maux de tête, donc du coup, c'est pour ça que j'ai des petits soucis là. D'accord. Vous allez bien ? Non, je voulais simplement, oui, je vais bien. Je voulais simplement vous saluer. Tout se passe bien ? Oui, ça va, ça va. Bah, tout à l'heure, j'ai vu. Ah, j'oublie tout le temps son nom. Je crois que. La dame qui a les cheveux rouges. Oui, Alkaya, oui. Ah voilà, j'oublie tout le temps son nom, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec les noms. Et du coup, elle m'a expliqué qu'il y avait des murailles qui étaient faites tout autour, mais le roi m'en avait parlé auparavant, justement, parce qu'il y a des petits nouveaux. C'est ça, tout à fait. Donc j'ai proposé mon aide, mais elle m'a dit pour le moment... D'accord, ah ok, je pensais qu'ils étaient déjà arrivés. Un jour, bah, apparemment, non, il n'y avait que les 4 du sud qui sont arrivés hier, mais eux, ils avaient déjà une maison en ville. Non, il y avait d'accord, il y avait avoir des nouveaux. Il y avait 4 nouvelles personnes aujourd'hui. Il y a des nouveaux. Bah, c'était pas. Ah d'accord. Je pensais que c'était les habitants du sud qui sont arrivés hier. Est-ce que c'est possible vite fait qu'on rentre 2 petites minutes, si ça vous embête pas, parce qu'en fait j'ai un accouchement qui va se faire là d'une fraction de seconde à l'autre. D'accord. Je laisse ouvert, hein, pas de soucis. Hein. Ah ouais, d'ailleurs j'ai appris parce qu'en fait j'ai pas pu j'ai pas pu être présente avant parce que je viens tout seulement de me réveiller. Et du coup, monsieur Hiro m'a expliqué que du coup, les bébés Titi, enfin les Titi étaient plus. On pouvait plus se balader en Titi. Non. Et oui, c'est oui, gardé pour il faut des autorisations spéciales. Ouais, mais du coup, il faudra que j'en parle à madame la reine ou monsieur le roi, comment ça va se passer. Moi, je les utiliserai plus dans ce cas-là. Mais en fait, moi, c'est ce que j'avais vu avec monsieur le roi. En fait, je voulais les monter pour qu'ils soient assez puissants, en fait, pour faire masse reproduction, pour les fournir pour la guerre. Bah, c'est un peu le problème qu'on avait soulevé avec Alkaya, c'est qu'en effet, le problème, c'est que si on peut pas du tout les monter, on ne peut pas les entraîner. Bah oui, mais le problème, c'est qu'ils vont être très très faibles, c'est pour ça en fait. Parce que je pense que les résistants ont des... Enfin, je pense qu'ils ont de très très belles bêtes, et j'ai peur que celle-ci ne soit pas assez puissante. Donc en fait, moi, quand je me suis réveillée, tout de suite, j'ai fait une portée, donc là, elle va accoucher d'une seconde à l'autre, et je savais pas du tout, en fait, qu'ils étaient plus autorisés. Donc bah là, elle va accoucher, donc je peux pas arrêter le processus. En fait, ils sont autorisés. Non, ils sont autorisés, c'est juste qu'il faut pas se balader avec... Ah, attention, vous avez deux. Des jumeaux. Vous avez deux. Oh là là. Putain. Bah, dis donc. Puis ils volent. Ils ont quel âge? C'est une bonne nouvelle, ça. Ils volent, ils ont du mal à s'arrêter. On va laisser se concentrer. Marraine, je suis pas spécialiste. Marraine, je suis pas spécialiste. Mais est-ce que c'est normal que quand les bébés naissent, ils volent? Non, mais c'est... Non, alors voilà, ils s'accrochent à la queue en fait, vu que c'est des bons grimpeurs, ils sont attachés à la queue. Donc ils ont 125 ans, ceux-là. Ah, c'est bien, c'est quand même. Oui, il faut savoir égo. Mais c'est quand même des petits marsupiaux. Donc à la base, ils ont des poches, ils portent leurs petits. Mais comme là, les poches, ne sont pas des poches, ils sont attachés à la queue. Je vais finir. Avant, j'en avais. D'accord. J'en avais deux. Et ils sont plus là, je suis triste. Ça me fait de la peine. Bon courage, hein. Oui, ils sont très beaux, ces petits. C'est gentil, merci. Attendez, je les recule un petit peu parce que c'est pas facile de les nourrir dans cette position. Allez, venez. Je crois qu'ils vous écoutent pas. Oh. Venez. Ah, ils sont normaux, mais ma reine, venez, vous savez les pas, mais quand ils grandissent après, ils ont une tête qui est 10 fois plus grosse que leur corps. Pour l'instant, ça va encore, mais après, ça se voit bien. Eh oui. Oh, même là, en fait, ils ont une tête qui est vachement grosse par rapport au corps. Mais c'est vrai qu'ils ont la tête est plus développée que le corps au début, je comprends pas pourquoi. Marraine, regardez. Oh mon petit, attends. Il s'enfuit lui. Et tu vas où? Il veut déjà aller en guerre. Oh putain, tu vas où toi aussi? Oui, tout à fait. Quel niveau les enfants. Faut que j'enlève leur petite promenade. Oui, voilà, bah ils sont déjà prêts, je pense. Hein. C'est parfait. Donc, alors attendez, je fais un petit truc et après j'ai une petite question à vous poser. Les policiers, je crois, ils ont le droit, Marraine, de s'en servir. Voilà. C'est donc bon du coup, voilà, petite... Ah, allez-y, monsieur. Je crois que les policiers, ils ont le droit de s'en servir. Oui, la police. Je vais prendre de la viande. Oui, en fait, je voulais vous poser la question, du coup, comment ça se passe pour les entraînements? Parce que si les résistants ont plus puissants que nous, en fait, en termes de force, on risque de se faire écraser. Ah bah oui, il y a des chances. C'est pour ça qu'il y a le service militaire, hein, et qu'il y a beaucoup d'équipements qui seraient mis à disposition de tous. Ouais. Non mais par rapport au Titi, c'est pour ça que je voulais... Par rapport au Titi. Ouais, même en général. Pas que les Titi en général. Parce qu'eux, ils ont pas de limite au niveau des armes, etc. Ça craint, quoi. Bah,
Non mais c'est surtout qu'ils ont une bonne petite capacité puisqu'ils peuvent monter sur les structures, donc c'est vrai que c'est au cas où s'il vient à se déclencher une guerre ou quoi que ce soit, c'est extrêmement pratique. Mais le problème c'est que là, la plus haute maman que j'ai, elle a 175 ans et j'aimerais bien qu'ils soient de plus en plus forts en fait. Ah oui, je comprends. Oui. Pour juste pour les entraîner pour la police, pas personnellement. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais écoutez, peut-être qu'on pourrait proposer que... ça va être compliqué à mettre en place. En fait, il aurait presque fallu que vous puissiez les entraîner peut-être avec un policier. Que des fois, un policier se libère, et quand vous devez vaguer, je sais pas, aller en expédition, etc. Oui, je parte avec lui. Voilà, vous prévenez un policier peut-être, et du coup, comme il sera surveillant, il n'y aura pas de problème, je pense. Ah, c'est pas bête, c'est une très bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée. Après, il faut voir si ils sont pas trop occupés, parce que je pense qu'aussi, là, avec tous les événements qu'il y a eu, plus là, les petits nouveaux après, qui vont débarquer. L'autre solution. Il y a eu des recrutements en plus. Donc, oui, là, j'ai une autre solution. Ah, d'accord, ok. Oui, monsieur. Une autre solution. Vous avez combien de métiers? J'en ai qu'un seul. J'ai que le métier d'éleveuse. Vous devenez policière, et puis voilà, il n'y a plus de problème. Vous êtes policière, et puis c'est elle tout, a vous avez pas le droit d'être de. Policière aussi, ça demande beaucoup bah, de temps. En fait, c'est surtout puis, que l'après-midi, je peux pas être là parce que je travaille, donc du coup, il n'y a que le soir, très tard, malheureusement, que je suis là. J'imagine. Vous êtes policière sur le papier, au pire, c'est pas grave ça. Oui, mais je veux dire, quand je vois à côté les policiers, comment ils sont très efficaces, tout le temps là, voilà, faut quand même être présent. Oui. Tout à fait, oui. Ouais, donc c'est pour ça, je peux pas me permettre de venir, pas longtemps, ça se fait pas, quoi. Non, je pense qu'en effet, je pense qu'un des policiers pourrait se charger de ce genre de choses. Comme il faudrait voir. Ils vont être un peu plus nombreux, oui. Et puis je pense qu'ils pourront se libérer de temps en temps. Oui, ou plus pour le soir, hein, si... Ah, ça c'est bien. Parce que c'est vrai que, en face, enfin, je sais pas combien de personnes y restent après en termes de résistants, mais je pense qu'ils avaient des dinosaures beaucoup plus puissants que les nôtres, qui étaient beaucoup plus forts. Sans doute. Et c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que si, admettons, moi les miens les plus hauts, les titis, ont 175 ans. Donc admettons, s'ils ont des titis de 300 ans, les miens, ils vont beau avoir se battre, ils vont se faire écraser au bout d'un moment. Certes. Après, je peux toujours en faire une armée, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que là, j'ai une autre femelle qui est derrière. Après, moi, pour vous, le roi, le royaume, je peux toujours créer après une armée. Hein. Bah, je pense que de toute façon, il va en avoir besoin. Après, je sais que M. Jerep et M. Brapp ont déjà fait une vingtaine de petits. Ah ouais, quand même, oh la vache. Oui. C'est pas possible, ils ont fait par triplé. Le souci qu'il a, c'est qu'il a que des femelles. Il n'arrive pas. Chaque fois que les bébés arrivent, il a pas de mal. Et du coup, il a pas de mal de haut niveau et ça le bloque un peu apparemment. Désolé, marraine, de vous couper, on a un petit problème avec Pedro. On dirait ça privé. Écoutez, j'arrive alors. Mince. Bah, de toute façon, privé, moi je suis à côté donc c'est pareil. Et puis, Ego, c'est privé, moi je dois rester avec la reine. Il y a vraiment de privé pour la reine. Oui, mais après ça, voilà, ça c'est Pedro qui décide. Si ça, ça concerne la police aussi, hein, donc. Moi, tu sais très bien que tout ce qui rentre dans ma tête reste dans ma tête, Gora. On le sait tous les deux. Ouais, enfin, ça dépend. Des fois, ça rentre, ça ressort. Ça concerne Pedro et la police. Je vais m'entraîner seulement avec eux et puis on verra ensuite. D'accord. Bon, la muraille est finie en tout cas, et du coup, je vais aller chercher les nouveaux pour leur faire construire leur maison. Pedro, allez, viens là, Pedro. C'est un bordel, le. C'est un bordel, hein. Mais y'a personne du village de l'Arion qui est là? Si, je suis là. Au fond, y'a Kira. Eh ben, va la voir, Kira, et faut que t'aies eu dire bonjour. Je suis là. Eh, bonjour. Bonjour, vous allez bien, monsieur Katsumoto? Eh, ça va bien, vous? Ça va, bah écoutez, on m'a expliqué justement qu'il y avait une petite muraille qui était en train de se construire tout autour pour les petits nouveaux. Tout à fait, c'est bien ça. Et comme ça, ça vous permet d'intégrer également le village. Donc oui, bah de toute façon, le roi nous en avait parlé justement auparavant de cette histoire. On avait dit qu'il n'y avait aucun souci. Il m'en avait parlé également. Donc, ça m'a posé ça, c'est une affaire bien faite. Mais du coup, les petits nouveaux sont déjà là ou non? Ils arrivent après? Ah non, ils sont déjà là. Il y en a qui sont arrivés. D'accord, ok.
Bon bah par la suite je pourrais leur proposer quelques... Katsumoto. Oui. Dites-moi. Excusez-moi, on a encore énormément de ressources. Allez-y, pas de soucis. Du coup, si vous pouvez regrouper les nouveaux qui viennent ici, qu'on commence à leur construire leur maison, comme on a des ressources, on va pas les jeter, quoi. Et puis une fois que les maisons seront construites, le reste on les revend et on leur on donne l'argent à part égale, comme ça ils ont déjà un petit pécule. Bah là à la rigueur, faudrait voir ça avec quelques forces de la police, on a augmenté nos effectifs. Je sais que Pedro vient entrer dans la police là, je suis très content. Normalement. Ah, mais il n'y a pas que lui, on a également la sœur de Xuna, Lyra, qui a été intégralement intégrée. Les forces de l'ordre, une nouvelle personne, Aliona, qui est également intégrée les forces de l'ordre. Donc on a trois femmes dans, au sein de la police. Ah c'est bien, ça c'est bien. Plus après, les sept hommes dont on fait partie. Ah bah c'est bien, comme ça, voilà, ça change un petit peu. Ah, tout à fait. Si vous pouvez trouver tout le monde pour qu'ils veulent une maison, qu'ils viennent me voir, on va les aider à construire. D'accord, bah c'est vrai, si vous trouvez tout le monde, vous les envoyez par ici. Et après, vous allez bientôt prendre la fin de service, donc je vais faire essayer, ça vous prend bien. Et donc, oui, Dame Chiara, dis-moi. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais du coup, je parlais des petits nouveaux. Ah oui, je disais aussi que les... Voilà, et je disais aussi que par la suite, je pourrais leur proposer... Ici, hein. Quoi, Titi? Ah oui, alors attendez, monsieur Katsu, attendez, venez. On va avoir faim. Quoi, Titi, machin, Titi? Ah bah... Quoi, Titi? Non, venez, venez. Venez. Regardez, des jumeaux. Oui, Titi. Oh putain! Apparemment, je suis le seul. Des petits jumeaux. Apparemment, moi j'ai du mal. Oh putain, plus c'est mignon, ils sont beaux. Les Titi, mais lui, par contre. Oh putain. Oh, t'es mignon. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou, toi. Oh oui, t'es mignon. Ah, ces animaux, ça rend dingue, tout le monde. Des petits jumeaux. 125 ans. Oh putain! Moi je peux pas, marraine. Ah non, non. Oh putain. Là, je peux pas, pas Titi. Oh, t'es mignon. Oui, t'es trop mignon, toi. Ils sont mignons, hein. Pas pour l'instant. Ah, ils sont trop mignons. Oui, ça va, toi aussi, viens, viens, fais un bisou. Je peux pas. Ah oui. Oh, oui, t'es mignon, toi aussi. T'es mignon, toi. J'ai pas le choix, de toute façon, parce que les Titi, pour l'instant, c'est impossible. Ah. Ils sont beaux, ils sont beaux. Et pourquoi? Ils sont beaux, hein. Je pense à vous quand ils sont sortis tout à l'heure. Ah putain! Au fait, messieurs, j'ai posé une petite question à la reine tout à l'heure parce que j'ai appris que les Titi, on n'avait plus le droit de se balader avec. Et du coup, moi, je venais tout juste de me réveiller, hein, donc j'ai pas pu venir à la réunion. Et le problème, c'est que moi, vu que je suis dans l'élevage de Titi, c'est ce que je disais à madame la reine, et elle a dit on va regarder ça justement parce que j'ai appris qu'apparemment il y avait des gens qui se rebellaient quand même contre le Nord. Comme ils disent, on en a gros. Voilà, ah, tout à fait. Et du coup, le problème, c'est que eux, apparemment, ont l'air d'être équipés de dinosaures assez conséquents et très âgés. Et moi, le plus gros Titi, il a que 175 ans. Et du coup, je disais à madame la reine que le problème, c'est que moi, c'est pas pour mon usage personnel, les Titi. C'est que moi, je voulais les entraîner pour faire des gros bébés. Le problème, c'est que je peux plus me balader avec. Donc, elle veut essayer de voir avec le roi et la police, à la limite. Pour que le soir ou quand il y a un policier de disponible et qui n'a rien à faire, je puisse aller avec un policier entraîner les Titi par sécurité. Sinon, elle m'avait proposé de rejoindre, parce que j'ai qu'un seul métier, éleveuse, elle m'avait proposé de rejoindre la police. Le problème, c'est que je lui ai dit, je ne suis pas tout le temps là. Et être dans la police, quand même, il faut être là assez souvent. Oh bah, je vous rassure, on a une cadette qui a travaillé une journée et elle a pris 4 jours de RTT. Hein. Ah ouais? Oui, ça c'est un peu abusé. Ah, oui. Bah après, parce qu'en fait, moi, le souci, c'est que je suis souvent là que le soir, parce que sinon je travaille, donc c'est pour ça, elle m'avait proposé sinon d'être dans la police, parce qu'elle m'a dit, comme ça, au moins, si vous êtes dans la police, à la limite, bah vous pouvez les entraîner, quoi, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit, je suis pas souvent là. En fait, je suis là que le soir. Elle m'a dit, bah écoutez, on verra, ou sinon on verra pour qu'il y ait un policier à vos côtés quand vous entraînez les Titi par sécurité. C'est à vous de voir, hein, Dame Kira. Pas de soucis. Oui, mais là, si vous êtes, vous commencez à être beaucoup dans la police, là, non? Ah, mais bon, vous accompagner pour entraîner vos titis, y a pas de soucis. Oui? Ça vous embête pas? Mais non. Après, tout dépend aussi du travail que vous avez, monsieur, hein, parce que je pense que dans la police, vu que ça bouge à gauche, à droite, vous devez souvent partir en patrouille, de l'autre côté, surveiller, faire attention à madame la reine, monsieur le roi. Ouais, mais d'abord, il y a une garde rapprochée déjà à la reine. Oui. Bon. Bah, du coup, on verra bien, mais elle m'avait proposé, du coup, pour la police, mais vu que je lui...
Vu que je lui dis que j'étais pas souvent là. Pour la reine, pour le roi, pour le royaume, il faut qu'on vous accompagne pour vous protéger. Bah, de toute façon, moi, c'est ce que je lui ai dit. Moi, j'ai dit, je peux faire une armée de Titi. Si je l'ai fait par triple ou par double à chaque fois, ça me dérange pas. Hein. Comme ça, ça va aller plus vite. Hein. Et du coup, je vais bien récupérer un ou deux. Hein. Ouais, je sais. Vous en avez tellement. Ah ouais, bah, de toute façon, vous inquiétez pas, je sais que vous les aimez bien, vous. Ouais, je sais. Et du coup. Surtout qu'on a une grosse entrée d'argent avec Katsu. Donc, voilà. Ah ouais, oui. On a une bonne entrée d'argent. Bah écoutez, vous avez vu le petit d'hier? Je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, d'avant-hier, je crois. Oui, d'avant-hier. Bah, Katsu, Pedro, pardon, tu peux dormir au Comico, hein. Il est juste ici. Ah, c'est celui-là? Ah, oui, ouais, la petite femelle que vous aviez vue. Ah, elle oui. a très très bien grandi. Hein. J'aimerais bien en avoir un aussi. Ah ouais? Bah écoutez, faudra voir. Hein. Et la police, question, la police, elle a le droit de se balader en Titi? Je suis un chasseur, avant tout. Ah, la police est autorisée. Ah oui. Ah non, mais je posais la question, parce que du coup, je savais pas encore qui était autorisé. Ah, nous, on est autorisé. D'accord, ok. Il y a que le petit Yuti que vous avez pas le droit d'utiliser dans la police, il y a que le commandant, je crois. Ah oui, il y a que le commandant, oui, le Yuti. Quoique, hier, vous étiez pas en Yuti? Ah non, hier, j'ai cru. Pas en Yuti. Ah non. Bah, il y avait quelqu'un avec un Yuti hier. Qui se baladait dans le château. Qui boostait un peu tout le monde. Ah bah c'est quelqu'un qui a dû l'utiliser. C'est une autorisation spéciale hier. Ah oui, voilà, c'était... D'accord, ok. Parce que c'était un peu le bordel. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu problème. Oh, bonjour madame la guérisseuse. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Ah oh, bah merci, ça va bien. Oui. Et vous? Oui. Bien. Je viens négocier pour un chat. Ah ouais? Un petit chat? Oui, parce que le roi il m'a dit. On se calme devant les dames. Le permis c'est à 25 000. Alors attendez, par contre j'ai du mal à vous entendre. Beaucoup de mal à vous entendre. Ah, je disais que le roi il m'a dit qu'il voulait bien, mais il fallait que je prenne un permis à 25 000. Permis à 25 000? Waouh! C'est énorme! Il a carrément augmenté le prix en même temps d'interdire de la balade. Bah donc je comprends plus rien. Il y a un permis. Est-ce que bon, on a plus le droit de se balader avec, d'accord. Mais est-ce qu'il y a un permis précis à payer pour pouvoir se balader avec? Mais en fait, il va pas les autoriser uniquement pour la guerre. Ce qu'on peut faire au pire, c'est de vous faire une petite dérogation du fait que voilà, vous êtes éleveuse de Titi et vous pouvez les entraîner juste en présence d'un policier pendant un petit moment jusqu'à que il y ait une petite place qui se libère ou que vous vouliez rentrer dans la police et puis vous rentrez quoi. Comme ça vous vous démerdez après, enfin vous vous baladez toute seule quoi. Rebonjour. Bonjour. Rebonjour ma... Oui, ma reine, franchement, je suis dans un entretien d'un privé. Vous voulez pas savoir ce que le roi a décidé? Oui. Donc pour être Léo, j'ai parlé au roi. En fin de compte, le mieux, c'est que vous vendiez les bêtes donc, qui sont pour la guerre à monsieur Jirep et Brap. Et après, c'est eux qui feront la reproduction. Oui, donc du coup, j'ai pas tout compris. En fait, il y en a certains que je peux vendre auprès de la police ou je dois tout vendre à la police, je comprends plus rien. Oui, bah justement, je crois qu'au début, vous deviez tous les vendre, mais qu'en fin de compte, vous avez permis, vous pouvez en garder quelques-uns. Mais moi, de toute façon, j'ai le permis, hein. Monsieur Gorator peut témoigner, à chaque fois, je paye... Elle a le permis. Je paye toujours, jamais je ramène des titis ici pour pas payer la licence, parce que je sais très bien que c'est faute grave, hein. C'est pour tout me faire perquisitionner. Non, mais peut-être qu'il veut pas que vous vendiez à n'importe qui. Ouais, je pense que c'est ça. Mais après, si vous avez le permis, en plus qu'apparemment on peut acheter le permis par les chiens colleux, théoriquement vous pouvez élever tranquillement, il n'y a pas de problème, je pense. Bah, moi le permis en tout cas, je l'ai payé. Hein. J'ai pas fait ça dans le dos de tout le monde, j'ai payé le permis justement. Donc, moi après, s'il faut, je peux en vendre à la. C'est pour ça que moi je voulais les entraîner à la limite pour qu'ils soient assez puissants et pour pouvoir créer une armée par la suite pour les chefs de police et pour le roi et pour le royaume quoi. Si on vient à partir en temps de guerre, je pense qu'on sera content d'avoir ce genre de bestiaux justement qui est capable de grimper sur les structures, encore sur les arbres pour attaquer les ennemis parce que voilà, là ils sont, comme j'ai dit, ils sont très bas en termes d'âge. Enfin, j'ai cru comprendre qu'ils étaient très 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 âgés. Malheureusement, 125 ans, ça fera pas le poids face à des 300.
Ça c'est vrai. Donc c'est pour ça que moi je voulais justement les entraîner pour pouvoir justement faire des portées de plus en plus puissantes pour pouvoir les fournir au royaume en cas de guerre. Après une petite expédition, ouais. Ça peut se régler le problème du sud. Hein. Vous aurez dû voir avec le roi directement peut-être. Non mais attendez, c'est Madame la Reine, donc je pense que aussi c'est un peu pareil des deux côtés, je pense. Oui, c'est, ils ont autant de droits, j'avais demandé. Oui, voilà. Tout à l'heure. Donc je pense qu'il n'y a pas que le roi qui. La reine oui. Je pense que voilà, il n'y a pas que le roi, la reine aussi peut dire son nom. La reine, je tiens à dire pour sa défense qu'elle a payé le permis pour avoir les tiracoléos en mode. Je pense que le mieux à faire, c'est de lui autoriser à faire des titis, mais qu'elle n'en vende aucun à la population qui soit uniquement à la limite, oui. Que pour la guerre. Ah oui, tout à que fait, oui, pour oui, ça. Ça qu'il n'y en ait aucun qui traîne chez les villageois. Mais on a le droit d'en avoir chez les villageois. C'est 25 000 pièces d'or le permis, mais on a le droit, par exemple. Est-ce que les policiers peuvent en avoir un hein. Pourquoi lui interdire à Dame Kira de faire l'élevage si on peut payer 25 000 pour le permis. Ah non, il veut pas interdire l'élevage, au contraire, c'est juste que du coup, les bébés, enfin, une fois qu'il y a des bébés à donner, enfin, ce sera à donner, enfin, à vendre pour l'armée, justement. D'accord, ok. C'est compliqué. Oui, mais c'est bon. Non, mais oui, d'accord, ok, je comprends. Voilà. Au lieu de vendre aux villageois, sauf bien sûr s'ils ont un permis de 25 000 pièces d'or, vous ne vendez pas aux villageois, mais à Monsieur Gérald et Monsieur Brab qui s'occupe de... D'accord, tout à fait. Donc, d'accord. Payant, en fait. En résumé, voilà. Oui, tant que personne n'a payé 25, voilà, la personne ne peut pas avoir de titi. Ben, en plus, j'ai envie de dire, payer 25 000 pour un titi, enfin, pour le permis de titi, plus après payer le titi, j'ai envie de dire, la personne, j'espère qu'elle est riche. Voilà. Ah oui. C'est bah, mettons Hiroto, quoi. Il vous donne un papier du roi ou de la police qui certifie qu'il a un permis de tirer. Je sais pas si. Ouais, donc en fait, le roi a dit faut que je vous achète un truc en fait et je vais vous montrer parce que je ne le montrais pas avant pour pas qu'il y ait de HRP, mais je pense que là ça va pas tarder à arriver malheureusement. C'est qu'en fait, on a trouvé une putain de licorne sur la map. C'est Anto qui l'a trouvé et c'est un truc de malade. Et on a trouvé une licorne du coup sur la map. On l'a dit à personne, il y a que le roi qui le sait. Anto veut lui vendre justement la licorne. Et moi, Kira, voilà, elle a pas trop envie de s'en débarrasser parce que c'est quand même un truc hyper rare, t'en as qu'une seule sur map. Après, il faut attraper la licorne en question pour en trouver une autre ou voilà ou la tuer pour qu'il y en ait une autre qui respawn. Donc, je suis un petit peu déçu, je suis triste, comme pas possible que la licorne doit partir. Ça se trouve, je sais pas, ça se trouve, si le roi se fera tuer, du coup, la licorne ne sera pas prise. Je ne sais pas encore, on verra bien. Mais ma petite mère, voilà, je l'aime. Et du coup, on l'a caché ici pour pas montrer à tout le monde la licorne. Donc, voilà. Possible, tout le monde est surexcité ce soir. On a tous bu des potions. Ah ouais, bah lui aussi il a bu des potions, j'ai l'impression. Il est prêt lui. Il a pas de bouche, je crois. Vous avez à manger? Ouais. Je vais prendre un truc. Bon, je vais prendre le petit stagon. Alors qu'est-ce que je vais vous acheter? Je prends mes cours. Bah les deux tickets là. Attendez, monsieur le roi, faut pas donner. Attendez. Vous voulez pas de la viande? Oui. Ah si, il y a un petit peu pour le nourrir lui là. Le pauvre. Merde, j'avais pas vu qu'il était derrière le roi. Merci. Désolé. Ah oui, ça en fait beaucoup. Moi je vais les donner aux toutes les bêtes parce qu'elles ont toutes. Ah bah allez-y hein. Si vous faut des stocks de viande, j'ai ce qu'il faut aussi hein, pour vous. Oui, mais t'inquiète, je viens en acheter de temps en temps. Alors d'accord, attendez. D'accord. Ah, t'as merci, oui. Tenez, pour l'instant j'ai que ça. Attendez, j'en ai d'autres. Ouais, bah vas-y, prends tout, Tony, comme ça on divisera après pour peindre. Donc, tout le monde d'accord. Se couvert. Et d'accord, ok. Ça... En temps de guerre, hein, quand il y a. Voilà, gardez une armure sur vous, en fait, une armure d'accord. En métal. Hein, maintenant, vous avez l'autorisation en temps de guerre d'avoir une armure d'accord. En métal. En civil, non, mais en temps de guerre, oui. Et donc, celle en métal, on l'a pas sans couleur orange et noire. Voilà. Ok, ça marche. Et ça devrait bien se passer. Donc, du coup, qu'est-ce qui vous intéresse alors ici? Ah bah, l'est-il à Coléo quand vous en aurez des biens? Bah, malheureusement, j'ai eu des jumeaux là qui sont en train de grandir. Mais ils ont que 125 ans chacun. Ah oui.
C'est pour ça que j'expliquais à Madame la Reine justement quand, que ça serait bien que je puisse les entraîner parce que c'est ce qu'on disait en fait. On pense qu'en face, ils sont équipés de dinosaures beaucoup plus âgés. Et le problème, c'est que des 125 ans, ça fera pas l'affaire face à ça. Donc c'est pour ça que j'avais proposé de les entraîner pour en faire des grosses portées et là en faire énorme en fait. Vous avez raison. Très d'accord, bien. Pas de soucis, je fais ça alors, je les entraînerai. C'est magnifique, tu vois. Mais du coup, petite question vite fait pour information. Il va bien avec l'armure en plus. Par contre, je crois que je vais vous l'acheter. Vous le prenez combien? Non, moi je Ah si. Non, je le vends même pas. Ah non. Si. Vous me faites le même alors. Non, pas de copie. Ah si. Ça fait plus de travail, non? Ah, je fais le même avec des autres couleurs, c'est quoi? Non, ça va pas être possible ça. Je vous fais le même avec des couleurs noires. Ah non! Oh, ça fait un phénix là, c'est magnifique! Mais il est magnifique, en plus ça va bien avec l'armure! Non, avec mon armure, c'est avec moi. Non, mais avec l'armure du roi là, ça va bien les couleurs. Bon, je vous le prends! Je vous le prends! Ok, 15 000! Attendez, je regarde quand même! Putain, vous foutez de ma gueule! Ah, c'est bon, c'est un phénix! Il renaît de ses cendres au moins celui-là, Hiro? C'est quoi? Il renaît de ses cendres celui-là au moins? Ouais! Ah! 5 000! 15 000! 5 000! 15! 6! 15! Oh bah je le prends! Hein. Combien? Eh, calmez-vous, je vous ai vu. Non, quoi? Non, j'ai rien compris. Combien du coup? 5 000. 15. Oh là là. 5 000. Ça va être à celui qui tire le plus vite. Attention. Ah non, 15. Ça va pas être possible. Vous allez finir en prison, monsieur Hiroto. Eh, on est libre. Bah, me visez pas, calmez-vous quand même. On est libre, baissez votre canon là. Ah, il est baissé. 15. Ouais. 8 000. C'est bon, 8 000. Il est que 80. 15. C'est dalle. Non, il est plus que 95. Oh bah récupérez-le, j'irai trouver un acheteur. Merci. Un vendeur. Je voulais pas le vendre, c'est pour ça. Bon du coup, ma surprise. Oui. Oui. Ouais bah moi je suis quand même un peu triste. Hein. Vous en occupez bien, monsieur le roi, avec madame la reine. Hein. Oui, vous inquiétez pas. Oh par contre, je vais vous prendre tous les chiens que vous avez. Parce que c'est ceux qui nous permettent de faire des reprods. Mais on va pouvoir en faire un. Vous en avez un. Je prends. D'accord, bah si vous voulez, demain je fais masse reproduction alors. Ah si vous voulez. On a deux femelles justement et un mâle pour pouvoir les reproduire plus facilement. Ah, j'en prends ils ont tous plus de 230 ans. Oula, bah attendez, et c'est à partir de combien qu'ils commencent à être un peu forts? À combien en bande? En bande, déjà à 3 vu qu'il y en a un alpha, il y a déjà le bénéfice de meute. Après, à 5-6, voire même un peu plus, il commence à faire mal. Hein. Il est où, monsieur le roi? Il court partout? Ouais, excusez-moi, je... Ah, reine, dit, je oui. Je disais, à partir de 4-5, déjà, il commence à faire mal. Hein. Rien qu'à 6, quand ils ont cet âge-là, ils font vraiment, vraiment mal. Et ils sont tous plus ou moins âgés. Hein. Bon, bah, je prends. Ah oui, je prends. Bah à partir de demain, si vous voulez, je fais des portées en masse. Hein. Bon, c'est le cadeau. Hein. Oui, attendez, ne dites pas trop, je crois qu'elle nous observe. 5. J'en prends 5. Et combien vous me les faites, les 5? Pour les 5, alors attendez, faut que je regarde le prix. Fini. Ça vous permettra de payer toutes les taxes et autres. Normalement, c'est 15 pièces d'or pour un an. Donc on verra selon l'âge qu'ils ont. Sinon, 15 000. Non, parce que 5 chiens pour 20 000, c'est pas vrai. D'accord. Ah, je vous l'avais dit le prix, hein. D'accord, ok, ouais. Oui, bah allez-y. Hein. Je sais plus. Bah, moi là-bas j'avais dit 100 000. Ah, oui, mais ça fait beaucoup. Ah, oui, c'est bon. Ah, vous êtes prêt à mettre combien? En tout cas, je descendrai pas en dessous de 50 000, ça c'est sûr. Quoi? Ah, bah, je vous avais prévenu, hein. Bah, c'est vous unique dit pour que moi! Je descendrai pas en dessous de ça et c'est unique en plus, assez âgé et je m'assurerai que ça soit que le cas. Ah, je suis déjà bien descendu en disant 50 000 par rapport à mes 100 000. Hein. Oh,
On avait dit 25 000 quand j'ai dit. À la base, c'était 100 000. Justement, à la base, j'ai dit 100 000 et vous m'avez dit je mettrais peut-être 50 000 et seulement si ça me prend sur un coup de tête. Du coup, je ne descendrai pas en dessous de 50 000. Bah, regardez. Et s'il vole, lui, vous inquiétez pas qu'il va en prison. Ah, il manque 10 000 là. Ouais. Non, mais attendez, j'ai mis que 40 000. Je sais bien. C'est pour ça que j'ai dit je descendrais pas en dessous de 50 000. Bah, si, bah ouais. Ah bon, bah voilà. Oui, bah toi c'est différent. Là c'est quelque chose. Là, non, mais attends, ouvre pas la porte maintenant, je crois. Faut pas ouvrir maintenant, je crois. Est-ce que vous voulez que je vous la ramène en paquet cadeau chez vous? Vous me dites, hein, je fais des jolis nœuds. Vous me dites, hein. Bon, je l'aurais bien. Dans le château, je pourrais. Mais. Le problème, c'est qu'il faudrait que vous demandiez à la police de dégager les rues et que on ne la voit pas. Pour garder l'effet de surprise. Voilà. Bon bah prenez-la et amenez-la au château, je vais faire le nécessaire.